monde qui tombé dans la bataille là, monde qui handicapé, monde qui mourit dans la bataille là. Nous pas capable saluer tout courage peuple haïtien qui a traversé un moment extrêmement difficile. Nous pas capable saluer tout syndicat qui réussit des belles journées de grève et que population exprimée refile avec question insécurité, avec question kidnapping, avec question la misère, avec question Gaza qui est packagé. Nous croyons ça, son signal fort et que tout le monde doit prendre note de lui. Même kidnappeur doit prendre note de lui. Même bandit qui ne veut pas pays à avancer doit prendre note de ça. Conférence Jodia, son conférence qui va parler des questions sociales, politiques, économiques, sécuritaires. Mais tout d'abord, on nous aborder questions politiques. Sur questions politiques, nous le débat continue à faire sur question accord 11 septembre. Et après dit peuple haïtien encore. Nous signons accord 11 septembre, c'est parce que revendication là-dedans. Un, il y a une question de sécurité pour tout le monde. Et ça qui a passé là, nous avons annoncé. Et nous avons dit que si nous avons des mesures concrètes, fortes qui prennent, nous avons vivé dans la situation. Et c'est ça qui fait nous insérer dans l'accord. Accord ça a porté toute revendication que nous faisons 4 ans, nous avons porté dans la rue. Conférence nationale, une autre constitution, procès Petro-Caribé, jugement tout bourreau, massacre, organiser pays, casser système, et transition de rupture qui n'a pas l'air. Et dit faut que c'est dernière transition. Et c'est raison ça qui fait signer. Et c'est ça qu'il faudrait moun, pas qu'à critiquer encore là, je préférer faire des attaques direct sur SDP au lieu de faire des débats sur accord. Mais nous constatons tout, ensemble avec le peuple haïtien, nous avons retard dans l'application accord. Et retard ça, nous condamnons. Nous condamnons même là, dans certaines mesures, nous devons comprendre quelques explications PM Ariel de Konbaï. Par exemple, faut parler avec de l'autre groupe. Pour permettre la participation de tout le monde, parce que c'est une transition. Mais l'autre groupe, yo, qui pour moi-même n'a pas le même intérêt avec SDP, parce que dans le cas où il y a là, le peuple n'a pas attendu. Il a souffert en bas d'insécurité, des problèmes de gaz, mauvaise gestion, corruption, toutes sortes de problèmes que nous connaissons. Ça veut dire, nous dit fuck, à quoi ça a dit. Et dans ce sens, pour à quoi ça a. Nous-mêmes, nous avons continué à exiger l'application. Et nous avons dit, l'autre monde qui signe à quoi ça ensemble avec nous, nous avons dit, PM Ariel Henry, comme nous avons signé à quoi, passé 1er novembre 2021, c'est un autre bagaille qui va arriver. Parce que si le gouvernement, Jovenel ça, PHTK ça, pas quitter le pouvoir, échoué dans la question insécurité, dans la question bail peuple à service, dans le gaz, etc. Mais le peuple lui-même, il peut retirer le gouvernement ça. Parce que le gouvernement ça échoué. Nous allons jusqu'à 1er novembre pour faire ça. Et c'est dans ce sens, M. André a bien pour parler des questions mobilisation. Mobilisation sous question ça. Parce que le peuple n'a pas qu'à attendre encore. D'ailleurs, c'est nous qui toujours accompagnons le peuple, n'a pas qu'à souffrir. Revendication n'a pas qu'à satisfaire. Il y a un problème dans le pays, et puis vous nous restez comme si rien n'était. Ça n'a pas qu'à faire. Et c'est ça que fait, nous-mêmes nous prenons toute disposition en ce sens. Sous question sécurité, nous-mêmes, nous conscients. Il y a un pile problème sur la question de sécurité. Il y a des signaux. Le gouvernement ou bien Ariel a été voyé. Par exemple, les Ariel
renvoyer des mondes indésirables pour côté qui t'a théorisé la population, c'est des signaux forts. Les renvoyer CEPA, c'est des signaux forts, mais c'est pour vraiment une application totale d'emblée des accords. Et c'est peut-être ça que nous allons dire, des exigences pour Ariel tenir compte de vous. Un, application accord. Respect, date 1er novembre, qui dit pour l'autre gouvernement responsable dans notre pays. Et il faut que des mesures qui prennent sur la question de sécurité. Sur la question de sécurité, il y a des mesures que nous recommandons pour nous. Je souhaite que la presse tende pour nous. Pour BNH, nous ne pouvons pas rien avec Léon Charles. Léon Charles sont haïtiens, etc. C'est des cas qui travaillent bien. On est bien content qu'il soit. Même quand il y a la presse quotidienne de Léon Charles. Et à partir de maintenant, est-ce qu'elle doit être là? Est-ce qu'elle va être là? Un, sous Léon Charles, il y a massacre belé, multiplication des massacres. Sous Léon Charles, il y a assassinat Maître Doval. Sous Léon Charles, il y a assassinat Grégory Saint-Hilaire. Sous Léon Charles, il y a assassinat Evelyne Césaire. Sous Léon Charles, il y a assassinat Jovenel Moïse, président de facto, qui nommé Léon Charles. Sous même monde qui nomme là, c'est qui doit assassiner. Sous Léon Charles, il y a fiasco village de Dieu qui nous connaît, côté où dévoué policier nous. À la boucherie. Sous Léon Charles, si nous avons tout il faut nous tourner. Sous Léon Charles, nous gros militants en champ de masse, si nous avons tout mourir. Exact. Jordani. Sous Léon Charles. Jordani. Il disparaît devant nous côté de Léon. Sous Léon Charles, on bavit les policiers qui fait la vie de métal. Sous Léon Charles, il y a évasion qui fait dans la prison civile quoi des bouquets. Côté négo arrangé autour de tuer Anel Joseph pour cacher vérité. Sous Léon Charles, on pile arrestation illégale politique qui fait en le pays. Sous Léon Charles, on pile policiers révoqués pour des causes politiques, pour motifs politiques. Sous Léon Charles, des policiers ont tué tout. Sous Léon Charles, des policiers qui tombaient. Sous Léon Charles, des massacres de Matrandea. Antoinette Dublet. Un journaliste conséquent. Léon Charles démantelé PNH. Pas en pas. Sous Léon Charles, vous sentez le climat insécurité généralisé, dégradé totalement. Sous Léon Charles, gang a augmenté. Sous Léon Charles, il y a une augmentation des taux de kidnapping. Sous Léon Charles, un mauvais traitement policier. Sous Léon Charles, pas de dialogue qui fait entre policiers. Il n'y a pas tenu compte des revendications policières. Et en pile policiers emprisonnés de façon illégale, arbitraire. Sous Léon Charles, bon, absence de leadership dans tête policière. Absence. Bon manque de leadership, non? Absence de leadership. En résumé, c'est un bilan catastrophique. Un bilan chaotique, un bilan désastreux. Et ça veut dire pour nous, à partir des bilans, fort des bilans, Léon Charles veut tirer les propositions et peut haïtien par une autre demande de la force de Charles comme haïtien évacuer peut-être des nations. Pour permettre qu'il y ait sécurité, qu'il y ait la paix. La vie reprend en danger. J'ai mis cette prison présente. Deuxième, notre bagaille comme recommandation. Première recommandation, c'est débat.
Léon Charles, vous expliquez pour ça, il n'est pas Léon Charles, il va manger parce qu'il n'est pas arrivé, parce qu'il n'est pas arrivé, mais il n'est pas ça. Je vous dis, même pour ça, le bâtiment. Il va en faire avec vous-même. Seul ça le fait bon, c'est dans de l'arrivée où. Deuxième recommandation. Un nouveau leadership dans tête PNH. Troisième recommandation. Un nettoyage dans la police. On veut dire. Le fait dans la police. La quatrième recommandation, c'est libérer tous les policiers arrêtés illégalement. Il n'y a rien qui aurait reproché sauf sous des motifs politiques qui ont arrêté, libérer tous les policiers pour remonter la morale policière. Cinquième recommandation, son négociation pressée, meilleures conditions de travail pour les policiers et travail sous salaire. Sixième recommandation, c'est meilleure organisation opération policière. Ça veut dire que les font opération côté, il faut que mieux organiser par vos policiers à la prochaine. Ça veut dire que les gens pour ça, il faut que bien planifier. Septième recommandation, c'est révoquer tous les policiers qui sont affiliés à des gangs. Tous les policiers qui sont. Huitième recommandation, c'est augmenter l'effectif de la police par rapport avec la population qui a besoin pour vivre par les services à toute population. Parce que le service pour la police, on a fait un service privé, un service payé, alors que le peuple a payé déjà pour ça. Neuvième recommandation, c'est acquisition de nouveaux matériels pour la police. Acheter des armes pour eux, munitions, chars, machines, etc. pour permettre qu'ils soient capables de répondre avec exigence du moment. Dixième recommandation. Les policiers font intervention. Renfort de rivière à temps. Un policier ou bien pas qu'à une intervention qu'elle fait. Et les policiers attendent renfort. Il fait 4 temps, 5 temps par mille ans. Ça dit qu'il faut renforcer le parcours pour arriver à temps. Onzième recommandation, il faut que le nouveau leadership prenne des dispositions pour remonter le moral de tout le monde. À travers des stimulants, à travers des programmes pour montrer que les policiers font un travail pour la fierté, etc. Douzième recommandation, il faut que nous arrivions à identifier de façon très claire les vrais policiers, soit à travers l'uniforme, soit à travers un signe, ou à quel point les machines policières, il faut que nous soyons capables d'identifier très clair. Les patrouilles, tout quelqu'un soit côté à faire. Treizième recommandation, c'est renforcer le service de renseignement au niveau de la police et traiter de données. Parce que sécurité, la police va faire son renseignement. Quatrième recommandation, quatorzième, c'est on demande d'appui technique. Beaucoup de partenaires n'ont pas. Il y a une expertise dans la baguette. Pas oublier que les gangs criminels, ils ont infiltré dans la population. Ça veut dire qu'il faut que les gens qui sont spécialisés dans le domaine ça, pour ne pas écouter, pour permettre de demander. Quinzième recommandation, c'est renforcer l'unité anti-gang, parce que c'est tout le monde ça, anti-gang. C'est renforcer pour renforcer, former au bail formation en plus, et puis augmenter l'effectif. 16e recommandation, c'est actualiser la cartographie des gangs. Parce qu'il faut actualiser, parce qu'il y a plus de gangs, il faut que vous regardez qui compte les gangs ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut une cartographie des gangs. 17e recommandation, c'est établir un dialogue communautaire en deux quartiers populaires avec la population, population qui a participé dans la démarche pour mettre la sécurité pour le pays et pour le pays. 18e recommandation, c'est arriver à faire ça, les réinsertions sociales.
Parce qu'il y a des jeunes qui ont des âmes dans le qui sont pas criminels, qui sont des apprentis. Mais ils arrivent sur eux à temps pour nous réorienter dans la société. Pour ne pas permettre qu'il y ait effectivement voilà, la réponse. 19e recommandation, c'est établir une liste des bandits criminels. Ça veut dire qu'il faut une liste qui ne peut pas avoir pays à fonctionner. Liste ennemi pays. Ça veut dire qu'il faut établir une liste pour ça. 20e recommandation, c'est rétablir une relation de confiance entre la police et la population. Ça veut dire qu'il faut que le sentier qui a travaillé ensemble. Il faut que la population pas appelle la police pour donner l'information. Ça veut dire relation police et population, il faut qu'il fait. 21e recommandation, c'est arriver grand fonctionnel commissariat qui joue le dieu abandonné. Il n'est pas possible pour gagner des commissariats dans des zones, il n'y a pas de police là-dedans, sous qui est la sécurité de la population. Ça veut dire qu'il faut rendre fonctionnel. 22e, c'est multiplier par 12 en dans zone métropolitaine. Les préfixes, etc. Les gens ont fait manifestation, nous devons voir. Valet préfixe, valet policier qui éparpille dans la zone métropolitaine. Je dis à toute toute zone stratégique, il y a des policiers qui stationnés pour empêcher les kidnappings de faire tout ce que 23e, c'est donner des informations additionnelles avec l'unité de nous. Le constituer comme un service réserve en matière de bataille contre le gang, contre le kidnapping. 25e, 24e, c'est renforcer le contrôle pour nous, aéroport nous, frontière nous, pour empêcher les armes à faire illégales en train de vivre. Munitions, etc. 25e, c'est réintégrer les policiers qui ont révoqué pour motif politique. Tout policier est révoqué pour raison politique parce que le patron est tellement fort là, parce que tu as fait travail bien, parce que le patron ne recevra pas de mots que l'autre. À même pour vous réintégrer le policier. 26e, c'est installer un nouveau gouvernement dans tel pays. Pour ça, c'est extrêmement important. Pour qui ça est important, c'est avec un nouveau gouvernement qui a un nouveau CSPN. Et c'est le nouveau CSPN ça qui vient pour redéfinir une politique sécuritaire et prendre des mesures fortes pour permettre que le pays a une sécurité. Ça veut dire que ça est fondamental pour le faire dans les meilleurs jours. 27e, c'est mettre une ligne téléphone disponible pour les gens qui ont dénoncé le kidnapping et faciliter l'intervention rapide de la police pour sauver ou bien pour permettre que nous échapper avec le kidnapping. 28e, c'est mettez en branle le processus de désarmement. Ça veut dire qu'il faut que désarmement en fait. Ça veut dire qu'il faut que mettez l'autre. 29e, c'est engager un dialogue national avec tout secteur en pays sur la question de sécurité parce que le bagage ça concerne tout le monde. Je ne vais pas attendre ma campagne de tout le monde. 30e, c'est lancer un appel solennel par le pays pour tout le monde travaille pour construire un climat de sécurité pour nous capables de vivre comme frère avec celle. Pour nous rejoindre une fierté haïtienne, pour ne pas quitter le pays, nous traiter comme un pays de barbares. Ça a lieu. Et moi, pour le gouvernement qui doit venir, il faut qu'il prenne responsabilité pour continuer à parler avec tout le monde. Ni les gens qui n'ont pas accord en 11 septembre, ni les gens qui n'ont pas accord, ni les gens qui sont sensibles sur la question de sécurité, il faut qu'ils continuent à parler avec. Il y a un autre monde qui parle.